Et bonjour à tous, c'est Axon, on se retrouve pour un nouveau tuto. Et ouais, enfin c'est bon, il est arrivé, ces tutos sont plus de Magic. Ok, alors, donc, du coup, nous allons commencer par les bases. Les bases dans Blue Magic, en fait, c'est très simple pour commencer. Le premier craft qu'il vous faut absolument, c'est donc le Buddha-Artha. Le Buddha-Artha est vraiment le centre de tous les sanctuaires que vous allez faire. Car en fait, Blue Magic est un mode qui est porté sur la magie, comme son nom en fait, sur la magie du sang. Donc ce qu'il vous faut déjà, c'est entre guillemets un hôtel pour stocker le sang que vous avez utilisé, pour faire ensuite infuser des choses dedans, pour ensuite continuer justement à avancer dans le mode, hein, simplement. Donc vraiment, c'est l'item le plus important. Donc vous pouvez déjà mettre un peu de temps, voilà. Bon, deuxième craft, enfin il se craft avec, j'oublie des yeux, avec Castone, 2 d'or et un diamant. Ensuite, deuxième craft très important, c'est donc le Sacrificial Orb. En fait, celui-là, au début, quand vous commencez un peu de Blue Magic, vous avez apparemment, comment dire, vous ne pouvez pas utiliser le sang des autres. Ce que vous pourrez faire plus tard. Alors pour le début, en fait, ce qu'il faut, c'est que vous mettez à proximité d'un Blue d'Artha, vous prenez un Sacrificial Orb, Sacrificial, bon, c'est pareil, et vous faites un clic droit dessus, en fait, vous allez voir que je perds des cœurs. En fait, ces cœurs vont dans l'altar, en fait, c'est je stocke du sang à l'intérieur d'eux. Et c'est ce qui fait que voilà, comme vous voyez, il est en train de se remplir. C'est magnifique. Juste un petit game mode 1 et c'est reparti. Ensuite, ça c'est tier 2, tier 1. Voilà, donc ensuite il faut quelque chose pour stocker sur vous. Je dis bien sur vous. De la magie en fait. Donc c'est très simple. Le premier qu'il faut avoir, c'est donc un Rick Wood Orb. Pour le Rick Wood Orb, il faut donc un diamant. Donc le diamant, on met à l'intérieur. Et comme vous voyez, en fait, il y a des petites particules au-dessus. Qui fait qu'en fait, ça veut dire que ça va infuser et que ça arrive. Voilà, donc ça prend un peu de temps quand même, hein, le temps que ça infuse. J'ai pas du tout regardé s'il y avait assez de sang à l'intérieur, mais normalement, je pense que ça devrait être bon. C'est vrai que j'ai pas du tout regardé. J'espère, en tout cas, sinon au pire. Hein. Voilà, on le remplit. Voilà, voilà, voilà. Donc j'ai oublié de préciser, mais le Sacrificial Orb utilise 5 de verre, 1 d'or et 1 de fer. Donc ça rend pas très coûteux, hein. Pour vraiment pour les bases. Bon, je crois que ça a infusé par contre cette merde là. Je pourrais te faire de coupure, ça va me péter les couilles. Bon écoute, on va faire ça en attendant et on arrive pour la suite. Donc ce que je vais faire en fait là, c'est que j'ai présenté d'abord toutes les runes, puis toutes les infusions, puis tout le truc et puis tout le rituel, chacun à leur tour. Et à chaque fois, je vais lui prononcer du coup le tier qu'il faut pour l'avoir. Donc en gros, il y a beaucoup de choses que vous n'êtes pas obligé de faire, mais je vais quand même vous montrer si vous voulez le faire, à quel moment faut minimum en fait. Bon. Donc là, du coup, on va passer sur les runes. Donc du coup, pour les runes, nous avons donc les runes. Les premières runes sont donc les blue runes normales en fait, qui utilisent elles un blank slate que je vais voir juste après pour le craft. Je vais vous montrer. Juste de blanc slate, un Rickbow Shard, comme je vous ai dit, et de la stone. Ensuite, nous avons donc le speed rune, c'est exactement pareil avec seulement deux sucres. Ensuite, nous avons donc les runes de sacrifice. Ah oui, désolé, j'ai oublié de préciser deux trois petites choses par contre. La speed rune en fait augmente de 10% la vitesse. Celle-là, attendez, ça augmente aussi de 10% le sacrifice. Vous allez voir qu'après on pourrait sacrifier les autres, les animaux et les autres joueurs. C'est aussi possible. Ensuite, ça c'est donc le self sacrifice, donc ça augmente le quand tu sacrifies nous-mêmes en fait le taux. Comment dire, quand vous savez, exemple, quand c'est que sacrifie une fois, là vous voyez, j'ai fait un clic droit, donc en fait j'ai envoyé 200 LP, donc un cœur c'est environ 200 LP dans l'altar. Mais si on ajoute une boule d'altar à côté, une rune de self sacrifice, désolé, en fait ça va augmenter les 10%. Le rendement, au lieu d'envoyer avec un seul cœur 200 LP, vous allez envoyer 210. Non, 220, désolé. 220. Voilà, donc c'est très bien. Ensuite, nous avons donc le rune de sauvegarde des capacités, parce qu'en fait, à l'intérieur de l'Oulata, il y a une capacité maximale. La capacité de base, si je me souviens bien, c'est 10 000. Ou 20 000, j'ai un doute. Écoutez, on va regarder ça très rapidement. Je vais prendre une petite truc. Division skill. Voilà, c'est donc 10 000, c'est bien ça, c'est 10 000 au début. En fait, je vais vous montrer à quoi sert les runes plus tard. Vous allez voir, genre, au début, ça n'a pas trop de sens parce qu'en fait, Blue Magic est un mode qui est un ensemble de choses. Donc, si je fais les choses un par un, à un moment ou à un autre, ça va se mélanger. Donc, je préfère tout
clairement mettre dans l'ordre, enfin par catégorie, et après on voit. Donc ça, en fait, ça augmente la capacité de 10 pour... de... Non, non, qu'est-ce que je dis, pas de 10%, de 2000, c'est l'autre après qui va être de 10%. Donc là, c'est de 2000. Ça ensuite, c'est donc la dislocation. Alors ça, c'est une rune. Je ne suis pas le seul à n'avoir rien compris. Voilà, donc je vous montre quand même le craft, hein. Mais si vous arrivez à chercher sur le wiki à quoi ça sert. Donc normalement oui, je précise d'ailleurs sur ce tuto là, c'est que moi ce que j'aime bien d'habitude c'est faire quelque chose de très complet. C'est-à-dire qu'il y a absolument tout le mode, il n'y a rien qui n'est laissé au hasard et tout. Mais là pour le coup j'avoue, dans ce mode là, vous allez voir après, il y a pas mal de choses où je peux pas vraiment expliquer, désolé, parce qu'il n'y a pas d'informations. La plupart du temps ça cause du wiki, parce que le wiki ne montre absolument rien, sans déconner. Vous pouvez aller sur le wiki du Blood Magic, vous dire waouh, il y a plein de choses, mais quand vous lancez sur le mode, vous voyez qu'il y a encore plein d'autres choses à côté, vous dites ah non, et en fait rien du tout. Voilà, c'était la petite anecdote. Ok, allez, bitch. Donc ensuite, supérieure capacité, en fait c'est celle-là au-dessus de celle-là, comme vous voyez, on voit le same dans le craft, hein. Alors elle, ça a augmenté de 10% elle, je crois. Non, c'est pas 10%. C'est 2%. Ouais, je crois que ça a augmenté de 2% les capacités. Donc en fait, il faut en mettre plein pour vraiment que ce soit rentable. Rune of the Orb. Alors en fait, ça, quand vous mettez le rituel dans le dedans, ça va augmenter la capacité de votre orbe. Parce qu'en fait, ce qui se passe, parce que moi là, je peux pas trop montrer parce que j'ai déjà fait des trucs très très haut là-bas. Mais en gros, je crois que vous avez dans les 20 000 LP maximum quand vous avez la Wickbush Orb. Après, quand vous allez au-dessus, vous en avez encore plus, et là encore plus de maximum, etc. etc. jusqu'à que ce soit une somme extrêmement phénoménale. Et donc, en fait, si vous voulez augmenter la capacité de sang qui peut être stocké dans votre orbe, vous mettez ça en fait dans le rituel. En fait, ça augmente de 10% la capacité de votre orbe, ce qui peut être vraiment énorme sur les très grosses runes. Ensuite, rune à accélération. En fait, c'est exactement la même chose que les runes of speed, parce que là, ça ne demande pas de 10. Le 10, là, ça va être de 10% en fait. Donc, c'est très très bien, rien à dire. Voilà, donc on a fini pour les runes. Ensuite, du coup, on va passer comment on dit, un petit peu aux infusions, parce que du coup, il y a des choses que vous n'aurez pas vraiment comprendre ici. Alors, les infusions dans le Blood Artarner, vous voyez, c'est fini, hein, ça a fini d'infuser. Et voilà, nous avons donc le Wake Blood Orb. Donc, on va donc commencer par le plus simple. C'est pas ici, mais bon, c'est pas grave. Voilà, on va commencer par ici, vraiment le tier 1, tier 2, etc. Donc, vous voyez déjà pour les orbes. Pour les orbes, du coup, il y a toutes les orbes différentes. À chaque fois, il faut essayer quelque chose de différent. Il faut savoir qu'à chaque fois, ça coûte de plus en plus cher. Par exemple, pour celui-là, quand on regarde la recette, ça coûte 40 000 LP. Quand on prend le premier, le Wake Blood Shard, ça prend 2000 LP. Vous voyez la grande différence. Et encore, c'est que les débuts. Ok, donc. Comme vous avez vu au début, c'est juste un diamant. Après, c'est une émeraude. Après, c'est un bloc d'or. Après, c'est une Rainbow Shard, qu'on va voir plus tard comment on va l'avoir. Ne vous inquiétez pas. Après, c'est un démon de Blood Shard, pareil, on va voir plus tard. Et déjà, on a fait toutes les Blood Orbs. Ensuite, du coup, il y a 2-3 items qui sont pratiques et même très pratiques pour la suite. Alors, ça. Une Blood Crystal, je vous montrerai ça pour la quête à quoi ça sert. C'est assez compliqué parce que c'est vrai que j'ai rien noté à côté, je suis complètement oublié de le noter. Donc du coup j'ai sans doute fait une petite coupure pour tout mettre en place plus tard évidemment. Pour l'instant ça servira un peu à rien. Ensuite, comme vous pouvez voir, à chaque rune on va utiliser des slates. Donc pour les slates, en fait il y a donc celle-là, le tier 1, c'est la tier 2, c'est la 3, 4, 5, ok. Il y en a une au-dessus je crois. Non, j'ai rien dit, la tier réelle c'est la dernière, c'est bien ça. Le tiers maximum c'est 5 sur le niveau là-dessus. Donc au tiers 1, on va donc utiliser des plans avec la stone, plan slate. Ensuite on remet la planche dedans, ça donc une renforce aide, ensuite une bu aide, ensuite démonique, ensuite éthérial. Oui c'est très style, mais on s'en bat les couilles. Ok. Parce que clairement, elle. Attendez, je vais vous montrer pourquoi c'est aussi cher. On met 30 000 plus 15 000, ça fait 45 000 plus 5 000, 50 000. Plus 52 000 plus 53 000 LP pour un Eternal Slate. Vous allez voir plus tard que c'est extrêmement cher. Ensuite, donc on va voir plus tard au niveau des rituels. Donc là, on est encore bien plus loin. C'est carrément ce qui est très très gros là-bas. Là. Encore, vous voyez qu'une petite partie parce que c'est pas assez généré. On va donc utiliser plus tard les inscriptions. Faux, en gros, c'est comme des marques en fait.
Par exemple, je vais juste prendre un petit rituel classique, rituel stone. En fait, c'est pour les, entre guillemets, les colorés. Ouais, c'est plus ce mot-là, les colorés. Donc il y a un, par exemple, celui-là c'est la terre, celui-là c'est l'eau, celui-là c'est le feu, non, c'est l'air, celui-là c'est l'eau, voilà. Et à chaque fois, c'est les colors. Et grâce à ça, on pourra faire des rituels un peu plus tard. Voilà. Ok, donc maintenant, on a fini pour la plupart des infusions. Évidemment, il y en a d'autres, mais bon, je vais pas les expliquer. Ensuite, nous allons donc nous intéresser aux sigils. Les sigils sont les sorts. Les sorts qu'on peut avoir, en fait. Donc, au début, quand je vous ai montré, en fait, c'est donc la divination sigil. La divination sigil, elle s'arrête, entre guillemets, quand on appuie sur l'altar. À savoir combien il y a d'essence à l'intérieur, vous pouvez voir là, altar current essence 0 LP, donc il n'y a rien du tout à l'intérieur. On peut voir le tiers de l'altar, on va voir ça plus tard aussi, et la capacité maximum qu'il y a. Donc en gros, avec ça, on peut tout voir. Et aussi la capacité combien on est sur le loup. Là, j'ai aidé beaucoup, mais je suis en game mode, c'est pour ça, cherchez pas. Ensuite, nous avons donc la Water Sigil. La Water Sigil, elle sert à créer des sources d'eau. Comme ça. Et en plus, comme vous voyez, c'est assez stylé parce que, à moins qu'on fasse un mise à jour de bloc, elle reste comme ça. C'est très très bien. Pour les pranks, c'est pas mal, je vous l'avoue. Ensuite, nous avons donc la Lava Sigil. C'est exactement pareil, ça crée une source de lave. Après, niveau des crafts, je vous montre pas vraiment à chaque fois en détaillant. Ah, si, juste un truc par contre que je vous détaille absolument. C'est donc la Lava Crystal qui se trouve d'ailleurs juste à côté. C'est donc quand même assez cher en fait. Mais d'ailleurs, je crois, non, c'est. Non, je sais bien, je me disais bien aussi. Clairement, c'est assez casse-couille de faire la lave. Juste pour le début, de faire ça, c'est assez casse-couille. Les sauts de lave, entre les sauts de lave, l'obsidienne et le diamant, ça coûte quand même assez cher. Mais je crois, il me semble que après, pendant le craft, vous récupérez votre lava cristal en fait. Ce qui est pas mal. Ensuite, on a donc le Void Sigil. Alors, le Void Sigil, lui, ça sert à enlever les sources d'eau, de lave, de n'importe quoi, ce que vous voulez. Ensuite, on a donc à celle-là, elle est très très bien. Bon, casse-couille à faire parce qu'il faut une lame de ghast et les Feather. D'ailleurs, je précise, c'est au tier 2, avant c'était au tier 1. Et ça sert à voler. Pas voler au sens comme vous aimez, comment dire, game mode et tout. Faire en fait, on peut faire des ponts en fait. Et ça, on peut utiliser pour voler. C'est très simple d'utiliser pour voler. Le seul hic par contre, c'est que c'est pas considéré comme un sort ou comme un fly sur les serveurs. Donc en gros, on est kické pour fly, même si c'est sur FTB quoi. Pourtant, tout le monde fly avec des machineries ou n'importe quoi. Voilà. Ensuite, nous avons donc le Sigil of the Fast Miner. Alors lui, en fait, c'est ça à avoir Ast 2 quand on l'active. Là, je vois pas parce que je suis en game mode, mais en fait, on a Ast 2 sur nous. Après, je désactive. Ensuite, nous avons donc le Sigil of the Crow. Ça en fait, qui quand vous l'activez, ça fait comment dire comme de la bonne mille en fait, ça remplace la bonne mille. Sauf que cette fois, ça n'utilise aucune ressource à part du sang, ce qui est vachement bien. Ensuite, nous avons donc le Sigil of Sight. Alors, celui-là en fait, à ce que j'ai compris, parce que je n'utilise jamais hein, personnellement, ça sert à voir le pourcentage par exemple quand vous faites une infusion, ça sert à voir le pourcentage là où ça en est. Par exemple, 50%, 70%, voilà, la progression en fait. Sa seule utilité, c'est pour ça que j'ai jamais crafté et jamais utilisé en survie. Ensuite, nous avons donc le Sigil of Elemental Affinity. Alors celui-là, il coûte quand même assez cher. Déjà, je crois que c'est au tier 3 ou tier 4, celui-là, l'Imbued, donc pour dire. Ensuite, ça utilise les 3 sigils, donc encore plus pour dire. Mais c'est très pratique. En fait, quand vous l'activez, vous ne recevez plus un seul dommage d'eau, quand vous suffoquez dans l'eau. Ni de lave, donc en gros pour aller dans la lave il n'y a aucun problème, même votre armure ne reçoit pas de dégâts, et ni de chute en fait. Donc en gros, on ne recevait plus aucun dégât de l'élément, comme selon l'indique en fait. Non, c'était pas ça. Ensuite, Sigil of Holding, alors ça c'est un truc que j'ai jamais utilisé parce que je trouvais pas vraiment un grand intérêt. En gros, quand vous faites un clic droit dessus, en fait, vous prenez, en fait, ça sert à accumuler de la place dans l'inventaire. En fait, on fait un shift clic droit, quand vous voyez, ça, on peut changer entre les sigils. En fait, ça sert à stocker les sigils, 3 sigils dans une seule sigil, 3 sigils maximum. Hein, j'en ai pris 3, on peut pas en mettre 4. Et du coup, là, je peux utiliser celle-là, puis ensuite un shift clic droit pour ensuite utiliser celle-là. Donc là, j'en ai 2 qui sont allumées, même celle-là si je veux. Voilà, c'est de la merde. Enfin, c'est casse-couille quoi. En gros, en fight, ou quand vous prankiez ou quand on les évite, quand vous êtes surpris, c'est pas trop le bon outil, même pas du tout. Ensuite, le Sigil of the Form. Ah, celui-là il est style. Celui-là il est vraiment style. Alors on se met à une hauteur, n'importe quoi. Faut qu'on soit posé sur un bloc. Hein. Soit on tombe directement, ça marche pas. Voilà, je l'active.
Et ça crée en fait une plateforme qui me suit quand je marche. Et même quand je cours, elle me suit encore plus vite. Et en fait, ce qui se passe, c'est que, ce qui est vachement bien d'ailleurs, c'est que même quand vous courez très vite, parce qu'on pouvait voir, vous allez voir plus tard qu'on aura des sorts pour courir très très vite, ça suit toujours. Ça suit toujours. Voilà, on peut même essayer de descendre, mais bon, descendre par contre, c'est un peu plus casse-couille. En fait, il faut faire ça, puis casser. En fait, faut rester appuyé sur Shift, se mettre sur un bloc, casser. Rester appuyé sur Shift, casser. Mais pour sauter, c'est plus simple. Par contre. Est-ce que je. Non, non, en fait, non, j'ai rien dit. Je pensais que. Non, j'ai oublié un truc, c'était ça. Donc voilà. Ensuite, nous, du coup, on était là. Donc c'est vachement bien pour un peu être en hauteur, quoi. Tranquille. Désactiver, hop là! Ah, ça, c'est très très bien. Seagull of the Blue Lamp. Déjà, ça coûte quand même assez cher, mais bon. Vous allez voir, c'est vraiment très pratique. Ça, en fait, on va faire. Bah non, ça va pas s'activer parce que j'ai ça là-bas. Attendez, 2 petites secondes. On va mettre la nuit, vous allez voir. Vous allez comprendre. Hop là. Donc on casse. Time set night. Je connais pas trop. Voilà. Enfin, ça suffit. En fait, ça sert à créer. Oh putain, désolé, petit freeze. Des sources de lumière. Vous pouvez en lancer où vous voulez quoi. Donc clairement là. No problème. Et ce qui est bien, c'est que les sources de lumière sont presque pas visibles. Enfin, bien et en même temps pas bien, parce que vous pouvez pas poser des blocs. Par exemple, je peux pas en poser là, là. Parce que justement, il y a la lampe. Mais de 1 se voit très très peu de loin, donc en fait ça fait un espèce. Il n'y a plus les torches, vous voyez, qui sont un peu moches. Il y a une petite particule pour qu'on puisse quand même la voir, parce que sinon on pourrait pas la détruire, et c'est ça qui est casse-couille. C'est justement quand on veut la détruire qu'on peut pas. Voilà. Parce qu'on la voit pas, mais bon, ça va, il y a des particules qui permettent de changer ça. Donc on a vu ça, on a vu ça. Là, on va passer à tout ça après, plus tard, à tout le reste. Hein. Ouais, tout ce qui est ici, on va voir ça plus tard. Maintenant, on va passer du coup au sanctuaire. Alors, du coup, les sanctuaires, c'est très simple. En fait, on peut déjà considérer que le premier altar que vous avez, c'est-à-dire celui-là, est un sanctuaire, c'est juste qu'il est tier 1. D'ailleurs, pour voir les tiers, comme je vous ai dit, hein, vous prenez ça. Voilà, il est tier 1. Ensuite, du coup, donc on augmente le tiers, en fait, à chaque fois on utilise des runes. C'est à ça qu'elles servent les runes, en fait. À augmenter le tiers de l'altar. Vous pouvez avoir des runes basiques, des pots de runes. Voilà, celles-là ne font aucun changement. Mais si par exemple je veux augmenter sa vitesse, je prends ça. Hop là. Et là, voilà, là, je vais augmenter sa vitesse et c'est toujours au tiers 2. Voilà, comme vous voyez, tier 2, mais bon, si on fait des tests, ça ira très vite. Tiens, pour voir vraiment les tests, on va augmenter la capacité, comme ça on pourra même en vérifier par nous-mêmes. Enfin, même si je sais très bien que ça marche, normalement ça doit augmenter de 4000. Ah bah non, parce que c'est des ruines au-dessus, c'est pour ça. C'est des ruines au-dessus. Voilà. Et donc en fait, à vous de gérer, parce que vous ne pourrez pas mettre des ruines à l'infini tout autour et toujours que ce soit au tier 2 en fait. Ça ne servira complètement à rien. C'est seulement ces 9 ruines là, non 8. Qui sont comptés. Les autres ne sont absolument pas comptés, ils sont en métal ailleurs. Ensuite, du coup, pour le tier 3. Alors là, comment ça est un peu plus compliqué. Je précise qu'à chaque fois, quand je mets des escaliers ou même ces blocs là, en fait, vous voyez que c'est un bloc en nether brick, c'est vraiment pour la déco. On peut très très bien ne pas en mettre. Tout simplement. Mais bon, c'est toujours mieux d'en mettre parce que sinon, ça sera vraiment très moche. Donc en fait, c'est pas compliqué. Vous mettons donc 5 runes de chaque côté. Comme ça, ensuite vous mettez un petit de hauteur, ensuite vous remettez 3 ici, exactement comme ici en fait, avec n'oubliez pas le petit en dessous ici, et voilà. Après, quand vous avez donc les 5, vous prenez donc un bloc ici, tac tac, 2 de hauteur, de la glowstone, absolument la glowstone, aucun autre bloc, je précise bien, à chaque fois quand c'est des blocs spécifiques, c'est vraiment eux, pas un autre, et voilà. Ah merde, j'ai juste de voir un truc à l'instant, désolé, je viens juste de le voir à l'instant. Bon, je vais vous expliquer ça vite fait, hein. Désolé, c'est moi. Donc c'est pour entre guillemets comment dire, on va prendre une vache. Cool. Nickel. On va faire spawner là-bas. Enfin déjà vérifier. Donc là, on voit qu'à l'intérieur il y a 0 LP. On fait ça, on la tue. Et comme on voit en fait son sang a été à l'intérieur.
Qu'est-ce qu'on a utilisé? On a utilisé une dague of scrapping. C'est très simple. En fait, à partir du tier 2, vous pouvez mettre une épée en fer là-dedans que vous faites sacrifier. Bon, ça, on passe de 6 points d'attaque à 1 point d'attaque, donc c'est pas trop conseillé si vous voulez fight avec, même si c'est très slide, on est d'accord. Mais voilà. Et du coup, on peut sacrifier des animaux et ou des mobs hostiles à l'intérieur. C'est vachement pratique. Ça, clairement, on va voir plus tard, peut-être vous le montrer, ou le faire. Mais on peut faire un spawner de sang. Et vraiment, c'est ce que j'ai fait dans ma série survie, hein, que j'ai fait sur FTN. Et vraiment, c'était ça. Donc voilà. Ok, donc ensuite. Tier 4. On va commencer à être un peu plus lourd. Hein. Alors, et encore, c'est le plus lourd, c'est ces deux-là là-bas. Là, clairement, eux, ils sont chauds. Ils sont très très chauds. Donc, on a toujours les 3 ici. On a toujours les 5 là. Ici, ça ne changera jamais en fait. Et là, par contre, on a donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On a donc 7 de runes. Avec un petit espace ici. Faut l'oublier. 1, 2, 3, 4. 4 de hauteur avant de mettre la large Bloodstone Brick. Alors, qu'est-ce que la large Bloodstone Brick? C'est un bloc que se craft avec justement Blood Magic. Mais on va voir ça plus tard. Ça va être les rituels qui vont être là-bas. Désolé pour l'instant, je spoil un peu parce que du coup c'est pour l'épisode 2. Parce que comme vous pouvez en douter, en fait, le Blood Magic va être un mode qui va être très long à expliquer. Ça va être un long tuto. Comme vous pouvez voir, on n'est même pas la moitié. Et je sais pas combien de temps on est, mais ça peut être maigre, on va dire, en temps. Donc voilà, je pense que je vais faire un épisode où je vais vraiment tout expliquer là-bas. Et un deuxième épisode où je vais vraiment expliquer tout ce qui est là-bas. Et clairement, il y a de quoi faire. Voilà, donc après vous voyez 1, 2, 3, 4, large bloodstone, et hop là, c'est bon. Ensuite, pour le tiers suivant, le tiers 5, on peut voir cette liste des balises, et ça c'est cher putain, parce que faut carrément aller dans le nether, farmer les têtes, juste pour le tiers 5. Par contre, quand vous l'avez, vous êtes content, je peux vous le dire. Donc pour ça justement, il faut donc, il y a toujours les 7 ici, les 5 ici, les 3 ici, ça change jamais. Et ici par contre, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13 de chaque côté. Faut oublier qu'ici il y a quand même 2 d'espace. Ici et ici. C'est la petite particularité par contre. Il y a 2 d'espace. Avec le bloc de fer ici, voilà. Tout. Ouais, de toute façon, vous avez juste à regarder un peu. Donc si vous voulez reconstruire, c'est très simple. Hein. Vous regardez mon pattern. Là, je suis en train de dire une vue dessus. Et voilà. Ah, d'ailleurs, un truc cassé style. Regardez la minimap derrière moi là. C'est tout le rituel. C'est une forme très style de haut, j'avais jamais vu. Comment dire? Alors tout ce qui est ici, le rituel, les rituels stone, vous y touchez, vous y pensez pas, ça va être pour plus tard, c'est pour plus tard. C'est pas du tout pour maintenant. Là, ce qui nous intéresse maintenant, c'est ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, le 8e bloc. Crystal Cluster. Crystal Cluster, pareil, on va voir le craft plus tard, c'est très compliqué, j'ai même pas réussi parce que je pourrais pas vous montrer en fait. J'ai pas du tout réussi. Je vais vous expliquer ça plus tard, c'est à propos du rituel qui sont derrière. Et donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 19 de chaque côté. Après, et voilà. Gros, c'est long. C'est long en fait. Si on veut faire ça, c'est très très long. Et donc je vais vous montrer comment il est lui. Alors capacité maximum, on dépasse les 1 million, c'est énorme. Avec juste une ligne, enfin une bonne ligne, mais bon c'est toujours une ligne de supérieure capacité. Tout le reste c'est donc des self-sacrifices parce que je suis en game mode donc en fait parfois il fallait du sang donc pour en avoir beaucoup j'utilisais ça. Et donc on va regarder vite fait en fait, vous allez voir. Alors, Blood Magic. Ok, on va donc prendre ça. On va donc enlever ça à l'intérieur. Ok. Donc on est d'accord, il n'y a rien du tout dedans. 0 épée. Ok. J'appuie une fois. On a là donc 2320 LP au lieu de 200. Tellement qu'on a augmenté. On a mis des runes. C'est énorme. Donc là, voilà. Parce que oui, désolé, je vous expliquer. Parce que le Blood Magic a beaucoup de choses à savoir en même temps. Donc c'est assez compliqué d'avoir vraiment un ordre de choses à dire. Quand vous avez donc des blood runes, des blood orbes, désolé, des blood orbes, en fait, quand vous mettez dans un altar, le sang qui est dans l'altar est pompé et va donc dans votre blood orb. Donc en gros, ça va dans votre sang qui est sur vous. Par exemple, je suis pas obligé d'avoir la blood orb sur moi pour avoir plein d'énergie sur moi de sang.
fait c'est vraiment connecté à vous, parce qu'en fait quand vous faites par exemple un clic droit avec, par exemple je vais en prendre une autre, voilà, allez, combien les 9. Je fais un clic droit avec, de 1 ça va vous aider un cœur, et de 2 ça va lier à moi en fait. Donc en gros l'énergie va réellement être à moi. C'est pas moi. Ok, donc là du coup c'est cool, on a enfin fini les rituels. Donc on a fait quand même pas mal de choses. Pour la suite, est-ce que je spoil un peu les rituels ou pas? Parce que là c'est un déconné. Non, ça vous force à regarder l'épisode 2. Non, attendez, il y a aussi le magnétisme. Ah oui, ah oui, désolé. Au niveau des sigils, j'ai complètement oublié, désolé. Il y a aussi une que j'ai oublié de marquer après. Il y a assez de sigils en compression, mais bon, celle-là peut faire crash votre Minecraft, donc je vais pas la montrer. Voilà, magnétisme. Alors, juste pour montrer le craft parce que c'est très simple à expliquer. En fait, dans un rayon de 10x10, tous les items qui sont droppés, n'importe lesquels, vont être directement tirés sur vous. Donc, au lieu que vous avez un radius de 2 ou 3 de blocs, je crois, avant qu'ils viennent sur vous, il avait un radius de 10. Donc, c'est vraiment 3 fois, 2 fois plus. 2-3 fois, quoi. Donc, c'est énorme. Donc, comme vous avez dit, la large blue stone brick, c'est très simple. Il faut donc de la red blood shard. Et hey, de la stone. Ok, ensuite, on va donc s'intéresser aux incarnations. Comme vous avez pu voir tout à l'heure, donc c'est pas rituel, donc là je peux vraiment le dire. On va avoir besoin de Demon Blood Shard, si on veut avoir le Archimage Blood Orb. Et clairement ça va être chaud, je vais vous montrer. Alors oui, j'ai pas non plus marqué ça, donc désolé, ça va pas être, un tuto 100%. C'est vraiment approximatif, et si vous voulez savoir, désolé, mais il faudra aller sur le wiki. Mais généralement, il n'y a pas trop besoin si vous voulez juste ça. En fait, on peut faire des incarnations de démons avec ça. C'est pas compliqué, il faut un Arcal Pestal et un Arcal Plint. Donc vous prenez un ici, ensuite deux, ici. Oui, je connais par cœur à force de l'avoir fait. Hein. Voilà, nickel. 3-3, c'est pas du tout ça. Non. Merde, j'ai un truc que j'ai paumé là. Merde, c'est pas cette forme là. Chier. Bon, mini coupure, désolé, tout de suite. Voilà, j'ai trouvé. Donc voilà, cette forme là. Donc il faut donc absolument en avoir juste 6 pour les invocations. Alors. Donc du coup ce que je vais faire, j'ai fait un petit screenshot de la page wiki que je vais vous montrer à l'instant. Donc comme vous pouvez voir en fait, il y a donc exactement maximum 3 tiers, mais en fait le troisième tiers ne sert à rien. Il y a donc 2 tiers d'invocation, il y a donc le premier tiers où c'est donc comme ça, il y a donc le deuxième où c'est encore plus grand, donc il faut encore plus de place. Dans le premier tiers il y a donc des démons, qui sont, je crois qu'il y en a 4 ou 5. Ils sont tous leur capacité, leur nombre de vie, leur attaque, leur dégâts, leur activité, voilà. Et il y a donc le tiers 2 où il y a donc 2 mobs. Ces 2 mobs sont très puissants, ils ont beaucoup de cœur et beaucoup de points d'attaque. Et en fait, ce qui va se passer quand vous allez donc. Mince, désolé, attendez. Et du coup, pour les invoquer, il faut donc des ingrédients. Pour les ingrédients, on va voir ça après parce que c'est encore après, désolé, hein. Hein, avancez la vidéo si vous voulez voir. Encore non, j'ai pas mis timecode, donc non, démerdez-vous. attendez juste, ça va venir, et donc du coup, faut des ingrédients spécifiques pour donc les invoquer. Généralement, ça peut être soit très casse-couille à faire, soit très simple. Donc une fois qu'en fait vous avez mis tout ça, et vous allez donc juste à mettre un Master Blood Orb. Master Blood Orb, bon, au pire je génère sur moi ici, et ça va invoquer le démon. Voilà, donc j'ai pas donné d'exemple parce que c'est vraiment très simple. Vous mettez tous les ingrédients ici, clac, ça va se faire et tout. De toute façon j'ai fait une petite démonstration après pour vraiment donner un démon. Et donc en fait à chaque fois quand vous avez tué un démon, par exemple je vais en faire un devant vous en spawnant un aléatoirement, c'est très simple. En fait quand on est en game mode, prenez un démon cristal, prenez une épée qui arrache tout, genre celle-là, et ça bug. D'accord, bon, merci jeu, merci le mode, merci, sympa. Ok, donc on va faire ça plus tard. vous allez voir. Ok, mais ce qu'il nous faut nous, c'est donc des démons de Blood Shard. Pour les démons de Blood Shard, en fait il faut invoquer des élémentaires. Qu'est-ce que c'est les élémentaires? En fait ce sont
des démons, mais avec un seul élément. Au lieu d'en avoir plusieurs, par exemple plusieurs Sanctum, puis le Laser, puis la Terra, et puis la Cobble, puis le... Bon, voilà, beaucoup de choses. En fait, vous prenez qu'un seul truc, par exemple, vous prenez beaucoup de Laser, enfin, juste 6, ou vous les mettez tous. Ensuite, vous prenez votre Matter Pool Orb, comme je l'avais dit, et BIM! Ça va, ok, donc en fait, l'éclair va donc prendre tous les ingrédients. En fait, je précise aussi que ça marche en intérieur, par exemple, si vous avez une grotte où vous voulez faire ça, ça marche aussi. L'éclair traverse la terre, et oui, c'est nouveau ça, mais ça marche très bien. Déjà testé. Voilà, et à la fin, bah, l'élémentaire a spawné. Alors, l'élémentaire, il a 100 de vie à chaque fois, il peut voler à chaque fois, il a certaines capacités à selon son élément. Par exemple, je sais que la terre, ça fait pas Agnès, le... Putain, j'ai pas mis ce... Ah, voilà, il est mort, en fait. Voilà. Ah, d'accord, maintenant, c'est un pourcentage de chance. Ah, c'est pas mal, ça. Ah, les fils de pute. Je vais expliquer ça après. Voilà. Donc, une fois que l'avez tué, vous avez donc un pourcentage de chance de dropper un démon de Bouchard. J'ai mis un pourcentage parce que ça m'arrive plusieurs fois, croyez-moi que ça marche pas. Et voilà, donc du coup, vous l'avez, vous êtes content, vous êtes heureux. Alors, autrement dit, soit les deux autres démons, quand vous invoquez, ils vont être contre vous, ça va être des ennemis, comme les élémentaires. Mais en fait, une fois que eux, vous les avez tués, vous allez donc dropper une démon cristal. Le démon cristal, lui, en fait, c'est comme si vous le repreniez en fait. En gros, vous dropez ça. Par exemple, vous avez fait spawn en espèce de golem. Bon, j'ai pas trop le nom dans la tête, désolé. Mais le démon qui ressemble à un golem, vous le faites spawn, vous le tuez, vous dropez votre démon de Bouchard, ensuite vous le faites un clic droit démon de Bouchard par terre, n'importe où, et vous l'élevez, le faire respawn. Mais cette fois, il va être avec vous, ça va être un allié. Il faut savoir en même temps que par exemple, les démons de tier 2, enfin, je croyais, je sais pas si y en a qui sont de tier 1 aussi que ça marche. Quand il est fait respawner, du coup, ils vont tuer, enfin, ils vont essayer de tuer les autres joueurs qui sont autres que vous. C'est vraiment pas mal ça. Ça peut être un petit moyen de défense pour les noobs du début. Parce qu'une fois qu'ils sont assez pétés, les gars, il n'y a aucun problème pour qu'ils viennent. Et donc voilà, ça peut être vraiment très sympa. Et en fait, pourquoi à la base c'est assez utile d'avoir des démons de tier 1 pour le début? Parce qu'en fait, quand vous êtes vraiment pas trop avancé technologiquement, vous n'avez pas beaucoup d'armure et tout, bah en fait, ils peuvent vous aider à tuer l'élémentaire. Normalement, ça sert à ça les démons de tier 1 en fait, ça sert à tuer les élémentaires. Mais c'est possible d'être vachement style dans une base, rien à dire. Ok, maintenant, du coup, pour que ce pack soit trop l'embrouille dans votre tête, on va donc passer à parler des éléments. Pour les crafter, en fait, ce qu'il faut, c'est donc une HMI 7 stable qui donc demande un Brewing Stand. Pour faire les crafts, par exemple, vous en avez donc un. Vous mettez une orbe à l'intérieur, c'est très important, il faut mettre une orbe qui est liée à vous. Moi je prends la plus grande, je me fais pas chier. Par exemple, vous avez besoin de laser. Non, le moins cher, je trouve personnellement, c'est le terrail. Voilà. Il faut savoir qu'en fait, à chaque fois que vous avez un ingrédient, les ingrédients de base, ils auront besoin de simple catalyst. Ça, réellement, hein, réellement, si vous voulez aller loin dans le Blood Magic, craftez-en le stack. Vous faites pas chier, même 3 presque, parce que si vous faites des feuilles encore un petit troisième. Clairement, ça va être très très utile. Encore, je sais même pas si je crois, je suis gentil d'ailleurs. Donc voilà. Donc nous, on va en prendre juste un pour la petite démo. Si je le trouve, je suis sûr que vous l'avez déjà trouvé en train de murmurer. Putain, c'est là! Mais moi, j'ai eu de le trouver à l'instant. Ok, donc par exemple, on va donc prendre le terre, il faut donc de la terre, du sable et l'obsidienne. Ok, alors. J'ai oublié comment on dit terre en anglais. Ah, dirt. Sand et obsidienne. Ok, on va en prendre deux. Donc on va les mettre. Tac, tac. Dans n'importe quel ordre. Clairement, ça n'a aucune importance. Là, vous voyez, ça va faire comme dans le bout d'un retard. Ça va donc. Il y a des petites particules qui sont au-dessus, que vous montrez que ça marche, et hop, le terrain sera là. Et voilà. Vous n'avez plus qu'à faire du coup votre incarnation, n'importe quoi. Ok, ça, c'est bon. Ensuite, qu'est-ce qui reste? Ah oui, les spells, les spells, les spells. Comme vous savez, les... Donc là, du coup, on va passer aux spells. Hein. Comme vous savez, du coup, les sigils, c'est entre guillemets comme des sorts. Ok. D'ailleurs, il en manque un, putain. Il y en a un que j'ai pas expliqué. Oh, fais chier, heureusement que je... Putain, heureusement que j'ai réfléchi.
Parce qu'il y en a un truc qui est très important et que j'ai pas du tout expliqué. Enfin, important, pété plutôt. C'est donc le Sigil of the Whirlwind. Alors, lui. Déjà, ça demande l'air Sigil. Donc, en fait, crafter 3 air Sigil, vous allez avoir les runes les plus pétées. En fait, lui, ça va créer entre guillemets un bouclier autour de vous qui va permettre d'en. Putain, je reviens. Heureux, désolé. Donc j'en étais à. Oui, c'est une espèce en fait de bouclier qui sont autour de vous. Bon, c'est pas visible du tout, c'est un coin de moi invisible. Mais en fait, quand quelqu'un vous tire une flèche par exemple, ça la renvoie sur lui. J'ai bien dit renvoyer, ça marche bel et bien. Ça marche qu'avec les flèches et les. Si par exemple un autre joueur utilise du bout de magic, ça marche aussi si vous lancez des projectiles. Vous allez voir plus tard les projectiles. Désolé encore. Donc voilà. Ça va renvoyer les projectiles sur lui. Donc en gros, c'est un bouclier réellement pété. Clairement, si vous êtes au début de l'aventure. Enfin, s'il y a plutôt ceux qui sont au début, parce que si vous êtes à ce niveau-là, si vous n'êtes pas du tout au début, s'il y en a qui sont au début de l'aventure et qui vous tirent des flèches, les gars, il va prendre cher, quoi. Tout simplement. Voilà, donc du coup, j'en étais au spell. Alors, les spells. Il faut donc une spell table. En fait, vous allez donc faire ça. Ou aussi un bull altar. Et voilà. Ensuite, une seconde fois, je vais vous mettre un screen de la page wiki. De tous les sorts qu'il y a par rapport aux têtes et tout, parce que comment ça va marcher en fait? Il faut deux choses, enfin exactement trois items il me manque. Il nous faut par exemple une tête, ça peut être une tête de wizard comme c'est marqué, une d'Enderman, deux squelettes, deux zombies, et je crois que c'est tout d'ailleurs. On va prendre celle-là par exemple du creeper parce que j'adore, j'ai un truc que vous allez voir, c'est vraiment énorme. Ensuite, il nous faut un item. De par exemple de la glace, d'ailleurs j'ai jamais essayé de la glace, le creeper avec la glace. Ok, troisième item, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, en fait, hop là, il nous faut donc c'était ce que j'ai expliqué dans la fusion là, Limbound Crystal. En fait, vous faites donc un clic droit sur la spell table, et là tout va se mettre en marche. Et en fait, faut pas enlever parce que sinon ça marchera pas. Si par exemple, j'en remets de la glace et j'en remets de la TNT, ça marchera pas. Faudra tout refaire en fait. Faudra jeter le moule cristal et le refaire. Et du coup, Slinky, quel sorcier? Slinky, que c'est à moi. Ils n'ont plus qu'à utiliser. Donc en gros, quand vous voyez, en fait, par exemple, le zombie, le zombie c'est défense. Enderman c'est. Attends, je sais même pas si c'est l'Enderman en plus. Si, l'Enderman, mais je sais plus trop pourquoi c'est. Le squelette c'est pour tout ce qui est à distance. Le Wither, c'est pour offensive, et le zombie, non, le creeper, désolé, c'est tout ce qui est élémentaire, et le zombie, c'est défensif. Donc là, par exemple, on prend élémentaire de glace, on va utiliser le sort, qu'est-ce que ça va être? Surprise. Que dalle! Merci! Ok, on va prendre un, que cette fois, je suis sûr et certain que ça marche, parce que j'ai testé plusieurs fois. Beaucoup dans les bases ennemies, vous allez voir pourquoi. TNT, Creeper TNT, vous comprenez la suite, hein? Ça va très bien ensemble, on est d'accord. Ok, ça, on va donc jeter celui-là. Shift et clic droit avec. On va s'éloigner. Eh, va te faire enculer, enculé de jeu! Putain, mais ils ont désactivé ça ou quoi? Ce que je précise en fait, je suis dans une version. Ah non, d'accord, ok, il fallait faire un shift clic droit pour le cliquer à moi et un clic droit pour le linker à l'espèce de table. Désolé, petit fake de ma part. Et là, ça a marché. J'agis comme un creeper, mais c'est vraiment agir comme un creeper. Je me suicide et ça fait une très grosse explosion. Vous dites, ouais, putain, mais c'est nul, c'est du suicide en fait. Et non, en fait, ce qui se passe, c'est que ça fait un peu de dégâts, je crois. Mais ça fait vraiment presque rien. Ça me suicide pas entièrement, même quand je suis en Giga Mode 0 sans armure. J'adore faire ça. C'est n'importe quoi quand je calache. N'importe quoi. Donc là, clairement, vous pouvez très bien voir le rayon d'action. Ok. Donc voilà. Et ça marche absolument avec tout. Et vous avez des descriptions à chaque fois sur le wiki. Donc la page que je vous ai mise juste avant. Donc voilà, comment avoir les spells. Ensuite, je crois que ça va être la fin, parce qu'après on va donc aller dans les. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui, il y a encore une chose, mais non. Ça, je vais mettre avec les rituels, parce que je pense que c'est quand même un assez long épisode. Il y a quand même pas mal de choses.
Il y a encore une dernière chose que je vais vous montrer que j'ai pas du tout placé, en fait c'est tellement simple à savoir que voilà. Et donc une armure. Enfin exactement, il y a deux armures que je vais pouvoir un peu vous expliquer. Mais il y en a une, vraiment c'est l'armure du mode. Après l'autre, c'est l'armure sanguine qui est donc là, qui elle est un ralliement avec Tomecraft. En fait, si vous faites du Tomecraft et du Wood Magic, prenez cette armure là. Sinon, prenez la Wound, elle est largement meilleure. Alors, on peut l'équiper. Elle est très 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 style. On est d'accord, hein? Celui qui me dit qu'elle est pas style, je l'encule par tous les trous, s'il n'y en a qu'un seul. Ok. Voilà, et donc pour la crafter, parce qu'en fait c'est pas vraiment un craft, c'est plutôt pas une infusion non plus, bon, c'est pas un peu complexe comme ça. De toute façon vous allez voir, c'est très simple. Il vous faut déjà le tier 3 minimum. Vous pouvez déjà avoir le tier 3. Et il vous faut énormément de sang, 30 000 pour juste un seul pilier de socket. Ensuite, ce que vous allez faire, à chaque fois il vous faut une soul armure forge. En fait, la soul armure forge, une fois que vous l'avez craftée, vous n'avez plus besoin de la crafter. Elle n'est pas usable en fait. Elle est juste utilisée mais elle peut pas être enlevée en fait, c'est ça. Donc en fait, hop là, vous allez voir après. Vous pouvez déjà vous dire, ah, ça ressemble à quelque chose là. Ah ben oui, c'est ça! Ok, on lui enlève ça et ça. Je suis pas sûr pour mon pantalon mais bon. Voilà, je pense plutôt que c'est ça. Donc voilà, on a donc l'armure, pas du tout dans le bon ordre, mais on s'en bat les couilles. Nous avons donc les bottes. Le casque, les jambes et enfin le plastron. Donc après pour ça, oh merde, il faut quoi déjà? Oui, il faut un clic droit, je crois. Juste un clic droit, ça va marcher. Ouais, nickel. Avec un clic droit, en fait, ça va consommer les filets de socket qui sont à côté avec le soul forge et ça va donc crafter ce que ça a besoin. Par exemple, là, c'était donc des soul boots, helmet, leggings et pour le petit dernier, plate. Mais il y a une particularité qui fait vraiment que c'est une armure pétée. Alors déjà de base, quand on l'a mis, Game Mode 0, please. Vous avez donc tout, et en fait, vous prenez vraiment très peu de dommages. Faut savoir que cette armure-là, c'est une armure extrêmement tankisme. On l'avait testé, je sais pas si vous connaissez le mode Magical Crops. Magical Crops dedans, il y a donc la Mark 4. La Mark 4 est une armure que vous prenez quasiment vraiment très très peu de dommages. Elle est vraiment assez pétée, pour moi trop bon. Je suis pas à balancer là-dessus, sinon on est encore pour 10 minutes de discussion. Juste pour ça. Mais on va comparer justement, et je suis encore plus tank que cette armure-là. Donc ceux qui connaissent, ça va. Pour ceux qui connaissent pas, ça qui vous. Comment dire. À une armure en diams P1. Ou P2 presque, ouais. Mi P1, mi P2. Ça qui voit ça, et ça c'est encore plus cheap. Pour moi c'est presque du P2 P3 qui voit une armure en diams. Et du coup ce qui est réellement pété avec cette armure, c'est que par exemple vous pouvez mettre des sorts avec, enfin vous pouvez loger des sorts. Alors ce qu'il faut, parce que c'est assez complexe en fait à expliquer, je sais pas vraiment comment trop faire. On peut utiliser du coup deux choses. On peut utiliser soit, attendez que je retrouve ça, soit ça. On va prendre du coup des sigils. Par exemple, clair sigil, on peut plus. On, par exemple, c'est dans le wiki, mais on sait, je peux lui dire 2-3 choses de tête. Mais normalement, je te vous montrer la page. Clair sigil, c'est donc pour pas prendre des dégâts de chute. Ça, c'est pour avoir Ast 2. Ça, on va le mettre. Ça, c'est pour. Putain, d'ailleurs, j'ai même pas montré. Putain, je crois. Faut courir plus vite et pour sauter plus haut. On l'a toujours. Ça, c'est pour voir la nuit. Ok, ça, c'est pour pouvoir ressentir des dégâts de lave ni dégâts d'eau. Ça c'est pour avoir un magnétisme, voilà, tranquille. Je vous déconseille de mettre d'ailleurs où il est, où il est. Pas celui-là. Putain, la sigil là de Phantom Bridge. Voilà, vous voyez tout à l'heure le Phantom Bridge là, où je buildais avec la sigil. Je vous conseille de pas la mettre parce qu'en fait du coup ça l'activait tout le temps. Et bah, c'est la casse-couille en fait qu'on veut descendre, donc on veut monter. Enfin monter encore ça peut passer, mais descendre c'est la casse-couille. Voilà, donc voilà, donc, clairement. Donc ça c'est pas obligé, mais mettez au moins celle-là. Celles-là elles sont très importantes, très efficaces. No society, ma gueule. Je crois que c'est tout. Ah oui, aussi celle-là, je peux mettre. Je crois que. Non, je crois que celle-là on peut pas la mettre. On peut pas la mettre celle-là. Voilà. Si, attendez. Putain, je sais plus. Je crois que. Si, si. Si, si, on peut la mettre.
Je crois que c'est tout, on peut mettre que ces aiguilles-là. Après les autres, je vous conseille pas de les mettre. Pour l'utilité, hein. Tout simplement. Voilà, donc par exemple, voilà, donc crafter déjà un plastron. Game mode 1, ça pourrait être pas mal. Les premières touches, ok. On va donc en remettre quelques-uns. Voilà. Donc, en fait, c'est très simple. Enfin, simple, qu'est-ce que je viens de dire? C'est assez complexe en fait. Vous pouvez donc avoir l'effet au maximum de ses capacités si vous mettez un démon de Bouchard. Mais vous pouvez avoir, entre guillemets, par exemple, au lieu d'avoir Ast 2, vous avez Ast 1, ou par exemple, pour ce qui est de donc Ast, donc Speed, il y a donc Jump Boost aussi, que vous pouvez avoir, en fait, vous pouvez avoir en plus mini. Soit vous prenez beaucoup de Bouchard, faites ça à Weak Bouchard, encore ça va, vous avez les effets au minimum. Soit, attendez, bon, on va faire ça, parce que je les trouve pas, putain. Soit vous prenez des démons de Bouchard, alors là l'effet est au maximum. C'est-à-dire qu'en fait, on peut prendre. Ouais, on peut en mettre jusqu'à 4. Ok, on va mettre 4 dans cette capacité. Donc en fait, on va mettre 4 sorts dans le plastron. 1, 2, 3, 4. 4. Donc à chaque fois, du coup, ça va en consommer 1. Et ce qui va se passer en fait, c'est que. Il faut mettre à chaque fois, pour qu'un sort soit activé, il faut mettre soit un Wild Bouchard, soit un démon Bouchard dans un filet de socket. Et un sort, et que ce soit dans la même armure. Sinon, ça ne marche pas. Donc, en fait, du coup, j'ai mis 4 sorts. Donc, j'ai mis 4 démons de Bouchard. Là, ça va être pareil. Par exemple, pour les bas, je dois mettre 2 sorts. Donc, 2 démons de Bouchard. Voilà. Après, on peut récupérer évidemment. L'inverse aussi. Et là, donc, il me reste plus qu'un sort. Donc, voilà, je le mets et c'est tout. Donc on va tout mettre. Voilà. Vous pouvez voir en fait, il y a donc l'item slot. C'est guide et tout, voilà. Donc là, tout est marqué. Maintenant. Il y a un truc qui va être du coup de le faire, c'est que ça va pomper du sang à tout le temps, en fait. Et ça, quand vous avez une très très grosse réserve de sang, ou que vous en avez un approvisionnement vraiment vraiment énorme, ça peut encore passer. Mais quand vous êtes, comment dire, pas trop bien là-dessus, ça va être casse-couille. Donc du coup, déjà j'ai enlevé celle-là, c'est de la merde. Je trouve pas celle-là que je vais mettre. Déjà je vais la mettre. Vous pouvez voir que j'ai donc Night Vision, Boost 2, Wearing, massifié quoi. Donc je cours plus vite, je saute plus haut, je ne ressens pas de dégâts de feu, pas de fou, bref plein de choses quoi. Et donc du coup c'est en train à l'instant de me pomper mon énergie. Et donc pour que j'arrête ça, il faut me crafter un armor inhibitor. Et quand je fais un clic droit dessus, ça l'enlève. Et là du coup je n'ai plus aucun effet. C'est ça, comment dire, je n'ai plus de rien en fait. Ça me pompe plus de sang. Donc c'est pratique en fait, qu'on veut vraiment plus rien avoir. Ok, nickel. Alors c'est cool parce qu'en fait là du coup je marche tout le temps plus vite. C'est cool, c'est cool. Je crois que ça va être la fin de cet épisode. Attendez, je vais faire un petit crapiquet parce que c'est vrai que j'ai fait c'est un peu à l'arrache, désolé. Donc, prochain épisode, on voit ça et ça. Ouais. Il y aura deux, trois choses encore à vous montrer, mais bon, je vais vous expliquer quand même. J'ai eu un problème. Peut-être pour ça qu'il y a deux, trois trucs qui ont mal buggé, enfin qui ont dû bugger ou n'importe quoi. C'est qu'il y a une nouvelle version qui est sortie de Bull Magic qui inclut des voitures, des. Putain, mais qu'est-ce que je viens de dire du coup? Des armures Oméga. Les armures Oméga, donc, il y a donc l'eau, la terre, le vent et le feu. A chaque fois, ça ajoute ou ça diminue de la vie. En fait, c'est-à-dire que c'est là qui diminue de la vie, les autres en ajoutent. Et pour les crafter, enfin, comment dire, du coup il y avait plein de nouvelles choses, genre aussi ces trois blocs là, il y a plein de choses vraiment qui ont été ajoutées, mais le problème c'est que le wiki, encore une fois, ne montre rien. J'ai bien essayé de faire, comment dire, un. Regarder une vidéo, parce qu'il y avait bien un américain, évidemment c'est toujours un américain, qui a réussi à la crafter, mais c'est ni un craft, ni quelque chose de simple, c'est un rituel, et comme je parle très peu anglais, il y a plein de choses que j'ai mal compris, et bah, du coup, j'ai pas réussi du tout à la faire.
C'est pour ça, donc clairement, ces armures-là, je ne pourrais pas vous expliquer maintenant. Peut-être plus tard, comme d'autres choses d'ailleurs, parce que comme ces blocs-là, je ne sais pas non plus les expliquer. Le wiki, ni aucune vidéo par contre là-dessus, ne les explique. Rien. Nada. C'est comme ça non plus, ça n'a jamais expliqué. Ça non plus, c'est jamais expliqué. Bref, c'est un bordel total. C'est pour ça que j'ai vraiment attendu avant de faire ce tuto-là, parce que vraiment, j'attendais que le wiki sorte des choses. Ou même qu'il y ait des vidéos, des informations dessus, mais que dalle. C'est ça qui fait vraiment chier. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit like, un petit commentaire, c'est pas de part GG, c'est le plus important. On va se retrouver du coup pour l'épisode 2 de ce tuto que je vais enchaîner directement après. Putain, j'ai passé une heure à tourner, je crois. Putain, c'est énorme. Donc ouais, allez, à plus.